j'ai été approchée par une personne, un Italien, qui a parié sur moi et qui m'a insultée sur les réseaux. Psychologiquement, quand j'ai vu ça, c'était, j'ai pas compris quoi. Je me suis dit, bah, je suis jeune, c'est bizarre. Tu réagis bizarrement quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et après, tu te dis, bah, en fait, c'est des malades quoi. Ça date de longtemps. J'avais pas vu BNP avant, donc je savais pas trop comment réagir. J'ai juste pas répondu. Ça fait partie de leur univers. C'est un univers qu'ils doivent maîtriser, connaître, qui parfois est technique. Ils ont besoin de savoir exactement leurs droits et leurs devoirs par rapport à ces thématiques-là. Et du coup, c'était vraiment top parce qu'on a appris plein de choses et ça nous fait grandir aussi parce que c'est important pour notre sport, pour la culture aussi, pour savoir ce qu'il faut faire. Donc c'était vraiment bien, ouais. Alors, est-ce qu'un joueur en fauteuil est soumis au même danger ou au même souci qu'un joueur valide? Je ne pense pas. Pour la simple et bonne raison que financièrement, notre sport génère beaucoup moins d'argent qu'un sport valide. Du coup, les gens sont moins tentés peut-être de nous arnaquer ou de nous fausser la route. Donc je pense qu'on est un petit peu plus protégé par ça pour l'instant. Bonjour. Bonjour. T'as fait tes petits exos là, à la maison? Ouais. Ouais, ouais. T'as donné quoi? Force de la répéter, c'est comment? J'ai toujours pas de douleur particulière. Sur les exercices, il n'y a rien qui te fait mal? Non, sur les exercices, ça fait pas mal. Dans ma discipline, le dopage pourrait servir à augmenter ses capacités physiques. Sachant qu'on est dans un sport handi et que physiquement on est diminué, donc ça peut combler, ça peut aider ou permettre de combler un déficit. Ça peut agir sur plein de choses, je pense. Le dopage, il y a plein de dopages différents, malheureusement, et ça peut avoir beaucoup d'effets insoupçonnés même, je pense, des fois. Que bah voilà, pour les paris sportifs, ils nous ont expliqué un peu qu'il y avait beaucoup de gens qui traînaient autour des cours sur les tournois pro, comment un petit peu les repérer, quelles attitudes ils avaient vois, au bord du cours. Et puis pour le dopage aussi, voilà, ils nous ont exactement expliqué comment se passait quand la personne venait vous chercher après votre match jusqu'à la fin du test. Donc c'était vraiment bien. Et en plus, juste derrière, j'ai eu un test peut-être deux semaines après, donc c'était assez bien d'avoir eu ce test. Tous les dangers du sport de haut niveau et du tennis spécifiquement, justement, on se sert de ces colloques où on les invite tous. Ce qu'on a fait à INSEP, par exemple, il y a quelqu'un qui aurait expliqué ce que c'était un test antidopage, le dopage, pourquoi, comment. C'est une vraie construction, c'est-à-dire que c'est pas du tout aussi libre que nous. Sur certains des produits pharmaceutiques que j'utilise, par exemple, quand je suis malade, qu'il y a des produits donc dans l'étiquette dopage que je savais pas du tout. Si on veut faire partie des meilleures joueuses et tout, faut pas se doper. Hein. Le dopage, c'est pas que c'est pour les faibles, mais c'est pour ceux qui pensent qu'ils peuvent pas y arriver, je pense. Moi, je vois ça plutôt comme ça. C'est sûr, je vais pas me doper parce que si c'est plus du sport après. Genre, le sport à la base, c'est tu te bats comment t'es. Genre, tu vas prendre des trucs pour. Tu bois ça, d'un coup, t'es monstrueux physiquement. Quoi.